Il dit une fois, une jolie jeune fille appelée Cendrillon, qui avait eu la malchance de perdre sa maman, alors qu'elle était encore toute petite. Comble de malheur pour elle, son papa, qui venait de lui retrouver une autre maman, s'était remarié avec une dame très méchante, qui avait elle-même deux horribles filles. Je vote Anastasie. Ces trois monstres faisaient quotidiennement de la vie de Cendrillon un véritable enfer, l'obligeant à effectuer les tâches les plus dures de la maison. Non, Cendrillon n'avait aucune source de joie, ne recevait aucune affection des siens et pourtant... Elle s'obstinait toujours à garder ce sourire grâce auquel elle restait jolie, malgré les yeux qu'elle devait porter. Un beau jour, tout le monde reçut une invitation du roi pour se rendre à un grand bal qu'il voulait organiser afin de trouver une prétendante à son fils unique. C'est ainsi que la méchante belle-mère qui venait, elle aussi, de recevoir ce courrier, elle a annoncé la nouvelle à ses deux chameaux de filles. Elle espérait certainement qu'une des deux serait choisie par le prince, mais au vu de leur physique plus qu'ingrat, nous dirons tout simplement que l'espoir fait vivre.
occupons-nous d'abord en toi. Bon sang. Oui, je dois utiliser ma baguette magique. Qui avait assisté à la scène
proposa que la fameuse chaussure soit essayée par toutes les filles de la commune. Celle qui préviendrait à la chaussée deviendrait automatiquement sa belle-fille. Après d'être passé dans pratiquement toutes les maisons, le prince arriva alors chez Cendrillon pour faire essayer cette mystérieuse chaussure. Thank you.
قدمت لكم توا مدرستي لوربوس قريه مسرحيه امي بور لا في في اطار تظاهره نتاع حب الحياه، مهرجان المدرسه المسرح المدرسي اللي تم نتاعو حب الحياه. التظاهره هذه ما تنجم تكون كان تظاهره جديره بالتثمين، نظرا لانها تحكي على اهم حاجه، تدافع على اهم حاجه اللي هي الحب، حب الحياه، الصداقه، الجمال، السلم. ما نجمو نحاربوا كل ما يهدد طفولتنا كان بتظاهرات شبيهه بهذا. Regarde ça, c'est des barbies.
Je m'appelle Alexia et je te préviens pour la première et la dernière fois. Si tu m'embêtes, je te casse un bras. Voilà. Excuse-moi, je ne voulais pas te déranger. Ça va mieux pour toi, Eve. Amandine, aide-moi à porter ça, s'il te plaît. Tu peux toujours m'aider. On ne voit pas du tout faire ça. Mais il est minuscule, ton sac. Oui, peut-être. Mais il nous vient du chat pour que toi et tes bagages réunis. Prends-le-toi. Nous sommes presque arrivés. Bonjour, je m'appelle Sylvia, j'ai 9 ans et j'adore jouer avec la fille. Je vais te les présenter. Voici Jeannette. Bonjour, maintenant. Et voici Sylvia, elle s'appelle comme ça parce qu'elle est belle comme moi. Mais je comprends pas. Dis-moi alors, au fil de la fille, je m'arrive à la jury. Dégage, laisse-moi passer. Je suis le deuxième. Vraiment, je suis toujours la première. Cependant, quand tu pars, je ne peux pas perdre mon temps avec toi. Qu'est-ce que tu attends? Si tu parles, mes parents ont dit mes paroles. Cet hôtel est vraiment luxueux. Allez, fais-toi! Amandine, quel grand secret! Qu'est-ce que tu fais là? Mes parents vont vous protéger à vie. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Mes parents vont vous dire que je suis belle ou que je suis. Mais je ne suis jamais dans ce que je suis. Elle a que je suis là de retour. Ça oui. Je me suis plus encore un de mes chiens. Bien sûr. Alors, on va parler. Dépêche. Viens, on ne pas rester. Oh non, c'est terrible. Je t'avais dit que nous sommes passés du temps en vacances. Bien sûr, c'est dans la tête, ça qui passe.
notre équipe de sécurité vient d'éviter un attentat terroriste qui vient de menacer notre hôtel. Vous êtes maintenant en toute sécurité.
ميرسي. سعيدة بحاجة مغيب. Sous le titre La vie. Voilà maintenant notre cadeau pour la vie.
chez son capitaine. Bonjour mon capitaine, puisque Adèle est morte, puisque Adèle est morte, je m'engage pour toujours. Puisque Adèle est morte, je m'engage pour toujours. Elle est l'ouvrier, Madison Thomas. Demain, c'est la rentrée des classes et on compte sur toi.
c'est vrai, j'oublie, je ne sais pas lire. D'ailleurs, ça ne sert à rien pour les ours de savoir lire. Continuons notre chemin pour faire de bons gars. C'était intéressant pour faire de bons gâteaux. Il faut beaucoup d'ingrédients. Toute la famille se réveille. Ouvrez, ouvrez les volets. Toute la famille se réveille. La journée peut commencer. Papa fait sa gymnastique. 1, 2, 3. Le petit ourson devra cacher son creux derrière s'il ne veut pas prendre un coup de fusil. Je rentre vite chez moi chercher mon fusil. Gourmand n'a qu'à bien se tenir. Il va bientôt savoir ce que c'est qu'un vrai chasseur. Je ne loupe jamais ma cible, surtout quand ma cible c'est le creux derrière de Gourmand. Toute la famille serait.